Aujourd'hui, diversifier les sources d'énergie est bien un besoin sur lequel tout le monde s'accorde. Pour ne pas capitaliser uniquement sur des ressources en voie de raréfaction, une première vient d'être tentée en France par Engie, avec la création d'une plateforme de production de biométhane issue de la biomasse sèche. L'énergie est un enjeu clé de notre futur. Il devient nécessaire d'en diversifier les sources et de favoriser celles qui ont la plus faible empreinte sur l'environnement. Le biométhane est une solution nouvelle et propre. Il est plus performant que l'électricité sur la production de chaleur et détient les mêmes caractéristiques que le gaz naturel. Il en utilise les mêmes réseaux et sa production ne dépend pas de la météo. C'est pourquoi son développement va devenir stratégique dans les années à venir. Il existe trois sortes de biométhane complémentaires. Le biométhane issu de biomasse humide, comme les déchets organiques ou agricoles, qui est aujourd'hui un produit à l'échelle industrielle. Le biométhane issu de biomasse sèche, comme le bois ou la paille. Et enfin, le biométhane issu de la valorisation des microalgues qui reste encore au stade expérimental. Nous avons donc une plateforme de recherche semi-industrielle qui reçoit de la biomasse sèche régulièrement, qui prépare cette biomasse sèche en évacuant toutes les biomasses qui seraient de taille trop importante ou la présence de métaux ferreux pour pouvoir l'injecter dans le brique technologique suivante. C'est la pyrogazéification. Sur la base d'un gazéifieur, cette biomasse est introduite dans le gazéifieur et va produire un gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse contient des impuretés, il va donc falloir le laver de tous ces produits soufrés, de tous ces goudrons, pour retrouver un gaz plus propre. Une fois qu'il a été lavé, ce gaz peut être introduit dans le réacteur de méthanation, dont son objectif est réellement d'augmenter la teneur en méthane du gaz de synthèse qui avait été produit juste auparavant de la brique. La production de biométhane issue de biomasse sèche est un véritable challenge pour la France. Engie a relevé le défi en créant la première plateforme de production à l'échelle industrielle. Le projet Gaïa, en produisant ce biométhane issu de biomasse sèche, crée un cycle vertueux. Ce système de valorisation des déchets à l'échelle industrielle répond très directement aux besoins et attentes de la société. L'objectif sur du long terme est d'implanter des unités locales de façon à éviter la pollution liée au transport et créer de l'emploi. Pour mener à bien ce projet, nous avons utilisé des technologies les plus innovantes de solutions de gestion de l'énergie. Nous allons être capables de produire du gaz vert en grande quantité et grâce à des technologies propres. C'est une fierté pour le groupe Engie, qui est une source d'inspiration en France comme à l'international.